Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo où le titre doit en surprendre plus d'un, puisqu'en effet j'avais dit que j'allais gratter ce fameux méga mot croisé, et en fait, non. Mais avant de vous barrer et de cliquer à mort sur les pouces rouges, je vais vous donner une petite explication sur l'historique qu'il y a entre moi et ce jeu, ou les jeux de lettres en général. Pour commencer, je déteste pas du tout ce genre de jeu. Je les affectionnerais un petit peu plus si de temps en temps ils étaient gagnants. Mais c'est pas ça le problème. Moi, ce qui m'emmerde, c'est les lettres. Vous prenez un bouquin comme celui-là, par exemple. Bon, ça, d'accord, c'est pas un bouquin. C'est un espèce de coffre pour mettre ses clés, des billets. Mais j'avais pas de bouquin sous la main, et vous allez comprendre pourquoi. Quand je commence à lire, en fait, je fais comme tout le monde, je commence par le début de la page. Donc, j'enchaîne les mots, les lignes, mais il va arriver un petit moment où, à la fin d'une ligne, je vais pas reprendre juste en dessous. Je vais reprendre plutôt deux ou trois lignes en dessus. Du coup, t'as du mal à comprendre l'histoire, tu vois. Mais ça, c'est rien du tout encore. C'est qu'à force d'assister pour retrouver la bonne ligne, ça donne à peu près ça. Donc, vous pourrez comprendre aisément que j'ai dû abandonner la lecture très tôt. Mais heureusement pour moi, chaque fois qu'ils sortent un bouquin, généralement, ils le sortent en DVD quelques mois plus tard. Donc, merci au cinéma. Et pour en revenir à nos fameux jeux de lettres... J'ai le même problème. Je me prends la tête à chercher une lettre alors qu'en fait, je l'ai sous les yeux. La merde, quoi. C'est pour ça que je préfère les chiffres, tu vois, dans le genre 1 million, 2 millions... Voilà, ça, c'était la première raison, qui est de taille, quand même, on peut le dire. Et puis, la deuxième, elle est plutôt d'ordre technique. Pour filmer un ticket comme ça, en fait, c'est le bordel. Je vais devoir filmer ce ticket avec plusieurs caméras, histoire de vous réunir toutes les grilles sur l'écran, et en plus que ce soit lisible. Et donc, utiliser la 4K. Et avec mon ordinateur actuel, c'est même pas la peine d'y penser. Mais heureusement, le nouvel ordi arrive bientôt, et là, ça sera beaucoup plus facile à faire. Et puis, la dernière raison, c'était la sortie du nouveau ticket de la loterie suisse romande qui s'appelle l'Atlantis et qu'on va découvrir tout de suite ensemble. Allez, c'est parti. Alors, l'Atlantis, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Déjà, au niveau design, il est plutôt pas mal. Et je dois dire que c'est plutôt surprenant. Parce que d'habitude, la loterie suisse romande a plutôt tendance à éditer des tickets qui sont en rapport avec la saison. Donc, Atlantis, attends, je cherche bien... Non, je vois pas. Sûrement un fan de Marvel. À part ça, c'est un ticket à 15 francs ou 12 euros qui peut rapporter jusqu'à 300 000. Il y a plein de symboles à gratter qu'il faut découvrir sur énormément de grilles de jeux différentes. Mais allez, j'arrête de parler et puis on y va. Allez, go! Alors, les règles sont simples, comme d'habitude, on gratte les 32 symboles qui sont ici, et puis on essaye de les retrouver en dessous, en espérant décrocher un maximum de gains. Allez, c'est parti, premier symbole. Et on aura un petit drakkar, ou ça doit être un bateau de viking, ou un machin dans le genre. Alors, c'est parti, on va essayer de retrouver ça, et on va en découvrir un péniblement dans la petite grille tout en dessous, parce que je dois dire qu'en fait, le symbole qui est dessiné en couleur, il ressemble pas tellement à celui qui est dans les symboles soi-disant gagnants. Bon. C'est pas grave, on le gratte, allez go. Et on passe directement au deuxième symbole, avec une jarre. Et on en trouvera une ici, dans notre dernière grille aussi, et puis une troisième ici. Donc pour l'instant, rien à dire. On se rapproche de rien du tout puisqu'on vient de commencer. Alors, troisième symbole, avec une lance, qu'on trouvera aussi en triple exemplaire, ici, ici et ici. Voilà, c'est fini pour les lances. Allez, quatrième symbole, avec un os. Pour l'instant, je peux dire que je range mon os avec ces jouets grattés. Et l'os, on le trouvera aussi trois fois. Alors, on peut dire qu'ils sont plutôt généreux pour l'instant. Mmh. Une fois ici, et puis encore une fois ici. Donc, plutôt sympa, quoi. On va voir si ça va continuer ou si ça va vite s'arrêter. Avec le cinquième symbole, une étoile de mer, je pense, qu'on trouvera seulement une fois ici. Alors, tu vois, il se calme déjà beaucoup. Allez, sixième symbole, un hippocampe. Et les hippocampes, on va en trouver quatre. Alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais. Donc, un petit ici, un ici, et puis un petit dernier ici. Puis, si je contrôle un petit peu, non, il n'y en a pas d'autres. Allez, c'est parti, septième symbole, avec une murène. Ils vont nous faire tout. Mmh.
Et des murènes, on va encore en trouver 3. Donc, je dis, sur ce ticket, ils sont plutôt généreux, quoi. Voilà, donc sympa. Ah bah non, en fait, d'après ce que je vois, il y en a même une quatrième ici. Waouh. Eh bah dis donc. Alors, est-ce qu'on va décrocher le firmament avec ce ticket, là? Allez, on continue avec le 8e symbole, qui sera une raie. Je vous ai dit, c'est une encyclopédie sous-marine. Et de nouveau, on va trouver 3 raies. Alors, allez, donc, je ne sais pas ce que ça cache. Voilà. Et la petite dernière ici. Et je recontrôle, parce que tout à l'heure, il y avait 4 murènes, mais là, non. Alors, c'est parti. 9e symbole. Il y en a 32, dis donc. Et ça, c'est Poséidon. Eh ben, dis donc. Alors, avec le père Poséidon, ils ont été un petit peu moins généreux. Il n'y en aurait que 2. Un petit ici. Voilà. Et puis, le deuxième, ici. Voilà. 10e symbole, avec des bulles qu'on va trouver ici et qui enfin nous ouvre un premier gain à 5 balles si jamais on trouve, je pense que c'est une méduse. Et puis les bulles, on les aura aussi ici. Allez, on continue, c'est parti. 11e symbole avec des pièces qu'on va trouver seulement 2 fois, ici et puis ici. Donc j'ai l'impression que ça ralentit un petit peu. Mais gardons espoir parce que là, il nous reste vraiment un paquet de symboles. Allez, 12e justement avec une torche. Je vois pas ce que ça vient foutre sous l'eau, mais bon. Si elle nous amène à un gain, et on la trouvera qu'une fois ici. Ah, je vous dis, ça diminue d'un seul coup. Alors, c'est parti. 13e symbole, une tête. Une tête tout court. Alors, ça doit être la tête de personne, mais c'est pas grave. Il y en a 2, je crois. Une ici, voilà, et puis une ici. Et pas d'autre tête ailleurs. Non. Alors, c'est parti. 14e symbole, je crois. J'ai dû me paumer un petit peu. Avec un crabe, plus connu sous le nom de cancer dans les jeux astro. Et puis, ce crabe, là, on va en trouver 4. Ils redeviennent de nouveau généreux. C'est parti. Et du coup, ce premier crabe, il peut nous ouvrir un premier gain ici si on trouve un collier de perles. Le deuxième crabe, lui, il nous ouvre rien. Et puis, le troisième crabe, pareil. Donc, le collier de perles, du coup, nous ferait 2 gains. Pas mal, Et le quatrième crabe, j'ai du mal avec le mot crabe. Bon, lui, pareil, il nous amène rien. Alors, c'est parti. 15e symbole avec le coffre. Et on en trouvera 3. Donc, un petit ici. Voilà, le deuxième qui se trouve ici, et le troisième ici. Donc celui-là, comme symbole, il nous amène absolument à rien. Alors c'est parti, 16e symbole est donc mi-parcours avec une planche de surf. Et on en trouvera 2, dont une qui nous ouvre de nouveau un gain si on trouve une harpe. Et puis la deuxième, pas encore. Alors c'est parti pour le 17e symbole, avec des petits poissons qu'on découvrira 3 fois. Une fois ici, mais ça nous amène à rien. Ici, pas encore. Et par contre, ici, ça nous débouche sur ce fameux gain à 100 balles que je convoite tant. Alors là, ça serait vraiment cool. Donc il nous faudrait ce fameux escargot qui est là. Alors, 18e gain, avec justement un escargot. Non, c'est un éclair. Et éclair, on va le trouver 2 fois. Mais par contre, lui, il nous ouvre 2 gains. Donc de nouveau avec ce collier de perles. Alors celui-là, franchement, je l'attends avec impatience. Parce que du coup, ça ferait 3 gains. Et puis là, il nous faudrait un petit sous-marin. Et si je contrôle, pas d'autre éclair. Alors c'est parti, 19e symbole avec un arbre. Un arbre sous l'eau. Ouais, pourquoi pas. Oui, ça doit exister. D'ailleurs, on en trouvera 3. Un ici, ça ne nous ouvre rien. Celui-là non plus. Donc les arbres, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas nous donner grand-chose. Et puis un petit ici. Donc pas d'ouverture de gain avec les arbres. Allez, 20e symbole. Et puis on aura une barre. Et la barre, on n'en trouvera qu'une seule ici. Mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est ce collier de perles. Alors c'est parti. 22, je ne sais plus combien, 10e symbole. Avec une tortue. On est reparti sur les animaux de la mer. Et puis la tortue. On va la trouver ici, mais il manque encore 2 symboles pour avoir un gain, et puis on la trouvera ici aussi, donc en 2 exemplaires seulement. Alors c'est parti, un autre symbole, je sais plus à combien on en est, avec un soleil qu'on trouvera seulement une fois ici. Bon, alors toujours pas mon collier de perles, mais bon, il y a encore pas mal de symboles à gratter. Allez, on y va avec une loupe qu'on trouvera 2 fois, une fois ici, donc là ça nous amène à rien, et puis par contre une fois ici. Alors là par contre c'est plutôt cool parce que soit on a un lot à 75 ou 75 balles si on trouve une bouteille à la mer, ou encore 15 balles si on trouve une clé. Alors c'est parti, on a pas mal de choix, du coup j'espère quand même qu'ils vont me donner quelque chose puis arrêter de me faire rêver. Avec un cristal qu'on va trouver 3 fois sur les jeux, donc une fois ici, mais là pareil, pas d'ouverture de gain, ici pas d'ouverture de gain non plus, et puis par contre ici, il nous ouvre un petit gain à 40 balles avec la pieuvre, donc ce qui serait plutôt sympa, 40 balles aussi, Allez, on enchaîne. Donc là, on arrive dans les 8 derniers symboles.
sol avec des palmes qu'on trouvera qu'une fois ici, mais par contre qui nous ouvre le premier gain dans ce jeu là. Alors on y va, on continue, il reste plus beaucoup de symboles, ça commence à me faire flipper, avec une balise justement qu'on va découvrir ici, mais bon, ça ou rien, c'est la même chose. Et puis ici, mais c'est encore pire. Bon, on y va, on enchaîne avec une pyramide. Ils ont vraiment mis tout hein, dans ce jeu. Qu'on trouvera deux fois, donc une fois ici, mais pas d'ouverture de gain, et puis une fois ici, et par contre là maintenant si on trouve de nouveau cette espèce de calamar ou je sais plus, cette méduse, donc là ça nous ferait deux gains avec cette bestiole, hein, je crois. Alors, on enchaîne avec ce symbole là, qui sera le temple, qu'on trouvera seulement une fois ici, mais bon, je sais pas si vous avez bien remarqué, mais depuis le début du jeu, chaque symbole qu'on a trouvé, on l'a gratté. Est-ce que c'est ainsi ? Que dans ces quatre derniers symboles, on va décrocher du lourd. En tout cas, je l'espère, parce que là, on a tellement d'ouvertures sur plein de gains. Ça serait vraiment dommage de repartir avec rien, quoi. Hein ? Allez, c'est parti avec un sigma. Bon, ok, pourquoi pas. Et là, bah, ce fameux sigma, bah, on va en trouver quatre. Il y en aura un ici. Donc maintenant, bah, si on trouve un dauphin, on peut aussi avoir un gain. Donc dans le premier jeu, chaque symbole qu'on peut trouver nous rapporte un gain. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ce fameux sigma, on va le retrouver ici. Donc du coup, si on découvre la méduse, on a de nouveau un 100 balles. Alors là, ça commence à m'intéresser fortement. Et puis on va le découvrir ici, mais bon, là, il nous amène absolument rien. Et puis pour la quatrième fois, on le découvrira ici. Donc, plutôt surprenant ce jeu. Parce que pour l'instant, ben, je me répète un petit peu, mais... Donc, on va voir si ça continue pour les trois derniers, et puis surtout que ça rapporte quelque chose. Allez, go! Avant-avant-dernier symbole, avec une bouée. Alors, je sais que c'est pas du tout ça qu'on cherche, mais la bouée, on va la trouver ici. Donc, ça y est, elle nous ouvre aussi un gain avec maintenant le parchemin. Là, quand on va faire le récapitulatif, ça va être méchant, hein. La bouée, on la trouve aussi ici. Et c'est tout. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, avant-dernier symbole, putain, ils vont me faire le plaisir de me donner quelque chose ou quoi? Donc, un sablier, qu'on va trouver une fois ici, et puis une deuxième fois là. Donc là, de nouveau, on a des ouvertures de gains, avec un symbole là, je sais pas ce que ça veut dire, et puis l'espèce de coquillage. Alors là, je dois dire que le suspense, il est jusqu'au bout, parce que on a gratté tous les symboles. Alors, merde, dans ce dernier, ils doivent me donner quelque chose. Et justement, on va regarder ce qu'ils pourraient me donner. Alors, c'est parti. Dans le premier jeu, bah, il me faut un dauphin, un collier ou une harpe. Dans le deuxième jeu, un sous-marin et de nouveau un collier. Dans le troisième jeu, un parchemin. C'est tout, c'est déjà pas mal. Dans le jeu suivant, il me faut de nouveau un collier. Ensuite, il me faudrait un coquillage. Si je continue, là, il me faudrait une baleine ou une bouteille à la mer. Ensuite, de nouveau le coquillage ou cette espèce de truc, je sais pas ce que c'est. Ensuite, une pieuvre. Et puis, il nous faudrait aussi une méduse. Et puis, dans la dernière grille tout en bas, bah, de nouveau une méduse. Et puis un bouclier, je pense. Donc, bah, quand on a fait le tour, ça fait quand même un sacré paquet de symboles. Alors, bah, on y va. On croise les doigts pour ce dernier truc en espérant qu'il me donne quand même quelque chose. Allez, go, c'est parti. Je me rappelle plus ce que j'ai cité. Un tuba. Mais non, je l'ai pas cité, le tuba. Ça, c'est presque sûr. Donc, bah, on va le chercher quand même. Et le tuba, bah, on va le trouver une fois ici. Et puis, bah, franchement, c'est vraiment des enfoirés. Là, je suis plus que dégoûté parce qu'alors on a gratté tous les symboles sans exception. On avait des possibilités de gains qui étaient vraiment incroyables sur ce ticket et rien, même pas 5 balles. Peau de balle. Quelle bande de minables. Et voilà, encore un terrible échec face à la loterie suisse romande. Bref, on s'en fout, passons à autre chose. J'ai eu une petite idée en ce qui concerne Tipeee. Vu l'engouement que vous mettez à cliquer sur les clips vidéo sur Tipeee, ça m'a donné une petite idée. Et je suis sûr que ça va vous plaire. Et je vais commencer par vous encourager à continuer à cliquer, parce que quand on aura atteint une certaine somme, moi je pensais par exemple 500 euros, pourquoi pas, et sur cette somme, j'enlèverai 150 euros que je vous redistribuerai sous forme de cadeaux ou de concours. Donc, beaucoup plus de gagnants. Et si on fait en sorte que ces concours soient discrets comme ceux de ces derniers temps, c'est-à-dire entre 60 et 70 participants, ça va vous donner encore plus de chances de gagner. Parce que du coup, je ferai un gros gagnant à 50 balles, deux gagnants à 25 et 5 gagnants à 10 balles. Donc, bah, si vous êtes 60, je vous laisse faire le calcul. Alors, vous me direz, 500 euros, ça fait une sacrée somme et ça fait un paquet de clics. Et donc, ça risque de prendre du temps. C'est pas grave, on s'en fout du temps que ça prendra. Mais ce qui est sûr, et ça c'est garanti sur facture, on fera ce concours dès qu'on aura atteint cette somme. Et puis, en attendant, bah, pas de souci, il y aura toujours les autres petits concours qui seront glissés en fin de vidéo. Donc ben, à vous de surveiller et de faire gaffe. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, c'est important, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.